الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question les morales de la part de nos frères Mohamed Luqman. Nous begins tam depuis ban ministre qui peut partager dans ban masjid. Est-ce qu'il s'attame la halal? Et tout d'abord, du moment qu'il y a un cadeau, les vins depuis n'importe qui sont là. Si ce cadeau-là en lui-même, il peut en avoir de mal, alors donc nous avons le droit d'accepter un cadeau depuis un musulman et depuis un non-musulman. Puis aucun problème. Mais les bons qui nous attirent l'attention, qui quand le ministre peut donner cette âme-là, ce n'est pas propriété de sa ministre-là. Ça. Même si le ministre-là, tu as sexe propre, l'argent, tu peux donner, alhamdoulilah, c'est un cadeau. Mais là, nous ne devons pas faire confusion. Le ministre-là saisit il y a un moyen, parce que cette âme-là, c'est propriété du gouvernement saoudien, qui peut donner ça à un musulman de Maurice pour Ramadan. Ça veut dire plus encore, aucun droit prendre, il n'y a pas de problème. Question suivante. Salam alaikum, moi tu peux dormir et accidentellement, inintentionnellement, mofin in a discharge. Je veux dire, il finit éjaculé suite à l'ifin pense ban mauvais, ban zimaz indécent. Alors, donc, est-ce que ça casse rosa? Si ou pas fin faire aucune action, seulement ou penser, ou pas fin faire aucune action avec ou la main, avec ou l'écho, ou seulement de penser, finit na éjaculation, ou rosa pas cassé. Mais les bons qui vous comprennent aussi, est-ce qu'ils vous roussent une cassée? Est-ce que vraiment, ils se une sortie ou bien madi? Il y a deux substances qui, parfois, dans un moment pareil, sont Il y a une madi et il y a une qui s'appelle mani. Mani, c'est sperme. Madi, c'est quoi? Madi, c'est une substance gluante qui ressemble à une tigite avec mani, mais c'est pas les plis refs. Les sorties en petite quantité, mais quand ils sortent, c'est ce que veut dire les comédiens lubrifiants. Il vient comme un lubrifiant pour l'écho, mais il n'est pas SPM. Et ça, il n'est pas casse-roussal. Il casse seulement oiseau. Il casse seulement oiseau. Alors donc, vous avez été. Est-ce que SPM une sortie, si SPM une sortie, et malgré cela, ou rosa, pas une cassée, mais ou roussal une cassée, vous avez fait roussal pour faire salade. Mais si seulement Madif une sortie, il n'est pas casse-roussal, il n'est pas casse-roussal, et ni il casse rosa. Question suivante. Est-ce qu'il y a un dimanche si en chômage temporaire à cause confinement capable est capable de donner zakat? Alors confinement, il peine condition pour donner zakat. Nous besoin qu'était est-ce que dimanche là, il dans le besoin? Est-ce que dimanche là, il peine à manger boire ou bien il dans une situation quand il peine à l'argent pour capable acheter sur ma nécessité de base? S'il est dans sa condition là, oui, il a un droit de donner zakat. S'il n'est pas dans sa condition là, il y a l'argent à la banque, il y a son capital qu'il fait business, il ne garde lui, il pas les autres services, ça, il pas mérite zakat. Ça veut dire condition répéa, est-ce que les misères, est-ce qu'il est pauvre? S'il est dans la catégorie pauvre, qui veut dire qu'il peine à l'argent gardé, il peine à l'argent parce que c'est ma nécessité de base, alors ça, dit mon ami Rizakat. Question suivante. Salam alaikum. Premier rosa, mon monsieur fin gagne la guerre avec moi, il développe l'eau moi, et moi aussi, mon gagne colère, mon tapli, mon balier. Parce qu'à chaque fois, il gagne sa l'habitude de développer. Depuis ce jour-là, il n'arrête rescoute moi, net. Les juifs risquent ce deuxième madame. Moi, j'ai un enfant, j'ai une difficulté parfois au séhri. Parfois, j'ai un sentiment qui m'a fait subir une oppression de la part de mon monsieur et ce deuxième madame. Qui doit ou advisement pour faire? Il n'y a aucun droit pour faire en premier. Après, bien sûr, vous devez faire droit. Ou faire droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Ou oui. Ou faire droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège ou ménage. Qu'Allah protège ou contre Shaitan, contre les Kiyadjimoun, contre les Kiyadjimoun. Oui. Mais ce qui est plus important, c'est que vous devez remédier à sa problème. Ou bien faire un dimon vini assiser cette situation là, cette problème là peut venir, qui fait aller peler blâmer l'eau, qui fait opérer blâmer l'eau lit, et sa attitude là est une quelque chose qui est rien qui au monsieur peut faire seulement il peut mix issues. Alors problème avec vous, si pas on lève la main, si pas il y a un problème à vous, si pas vraiment au mérite cette incorrection, ça y a une autre quelque chose, mais seulement pour punir d'une façon qu'on ne pas venir rescoter tout ça haram, parce qu'il y a un droit l'eau lit qui les rescote ou qui les partage sur la nuit entre deux dimons. Certains jours, les risques de sa madame là, certains jours, les risques où? Plus, il y a l'obligation vis-à-vis des enfants. Ça veut dire, au monsieur peut faire une erreur si, dans sa quantité d'information qu'il nous donne là, dans sa quantité d'information là, au monsieur peut faire une erreur. Mais seulement, ça, c'est un problème. Deuxième problème, au besoin, il y a un dimon qui a assisé, cause avec vous, avec au monsieur, pour capable résoudre ce problème là, pour qu'il ne pas continuer comme ça. Question suivante. Salam alaikum, capable explique le qiyam al-layl, comment faire li, combien rakat, bien faire li. De la part de nos frères Gibran, l'Al-Mohamed. Qiyamul Layl, si vous pouvez cause Qiyamul Layl, ça veut dire un salat pendant la nuit, qu'il soit dans Ramadan ou bien en dehors de Ramadan, peine à la limite. Vous pouvez faire 1, 2, 4, 10, 20, 30 quantités que vous pouvez faire, peine aucun problème. Quand vous pouvez cause pendant veut dire Ramadan,
Donc, pendant Ramadan, il y a Salat al-Tarawih. Salat al-Tarawih, les 8 rakats, mais seulement au Kaaba, faire d'un fil comme il a envie, si vous n'avez le temps. Salam alaikum, me connais, Allah dit qu'il vous reste bien avec vos voisins, jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu crois qu'il vous rentre dans l'héritage. Mais mon voisin, pendant près de 20 ans, les nuits à Molavi, nous la case, le balisage, les soins par dizaines de chiens, quand explique-lui qu'il ça pas bon, mon garçon, il dit à mon garçon, sous plaisir à ça. Après, il fait travail et grindait. Sa qualité tapage, il n'est plus capable, Plusieurs fois, la police, il arrête zut. Sa semaine-là, il recommence. Mon vieux, mon pas capable de supporter sa tapage. Si mon mettez la police, est-ce qu'il m'a gagné PC? Nous causons allé hier, un petit baba peut dormir, il s'est prétexte de travail pour lui ça. Menti, nous la vie peut miner. Jazakallahu khairan. Alors, donc, il y a plusieurs choses qui nous besoin comprendre là-dedans. Il y a quelque chose qui me va capable de dire qui s'en a en premier. Est-ce que les tiens sur l'atelier là, après on monte la case, ça ne va pas capable de dire où là. Mais seulement, en tant qu'un musulman, un voisin par un droit de faire ce voisin dit tout. Veut dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une madame parle de l'enfer, malgré qu'il y fait un namaz, malgré les gâteaux rosa, il donne sadaqa, si, parce qu'il y fait ce voisin dit tout. S'il n'est pas fait tauba, il parle de l'enfer. Ça veut dire que si un démon il fait ce voisin dit tout. Alors donc ça c'est une possibilité qu'il est capable de l'enfer. Ça qui voisin là peut faire, c'est une injustice, c'est un abus. Bien un juste milieu. S'il est là en premier, alors il est bien un juste milieu, c'est que au besoin de donner ce droit pour travail, mais en même temps, au besoin de nous certains bons droits, certains bons moments quand il n'est pas fait ta base. Quand il allait dormir, quand il allait repos, mais sur le travail, c'est ce travail. S'il est en premier. Mais si, ou là, s'il est en premier, et il vient après, alors donc, il n'est pas supposé, il y a un atelier ici, il n'est pas un PMI, là, dans ce cas-là, on a tout droit pour réclamer l'autorité, pour agir. On a tout droit, il n'est pas un PC, ça, pour capable de guider l'autorité, mais, comment nous dire, à l'amiable, est plus bon parce qu'il y a une relation voisin, ça. On peut trouver une solution à l'amiable, redonner un imam, faire une causer, pour capable trouver une solution. Ici, il y a besoin de travail, ou ici, il y a besoin de repos. Alors, bien trouver un juste milieu, Inch'Allah, nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait facile. Question suivante. Salam alaikum, la plupart masjid dans Maurice ne peut pas faire un namaz dans l'air de premier l'air. Vous êtes fait aller un peu après dans l'air qui Jum'a masjid infixé. Bien qui Jum'a masjid infixé. Bien qu'il est toujours valide. Est-ce qu'il meilleur faire un namaz dans le premier l'air tout seul ou bien faire un namaz en jamaat fixé? Ou bien faire un namaz en jamaat fixé parce qu'il est dans l'air. Du moment qu'il y a une salat dans l'air, il est dans le premier l'air, dans le deuxième l'air, tant qu'il est dans l'air, ou bien faire namaz, parce que l'obligation de faire namaz en jamaat, c'est une obligation. Mais il n'est pas obligatoire de faire namaz dans le premier l'air. Il n'est pas obligatoire, mais il est recommandé. Donc, ou pas capable à faire namaz dans le premier l'air qui est recommandé, pour quitte une chose qui est obligatoire. Obligatoire faire salat en jamaat pour banzoum. Question suivante. Salam alaikum, mon travail et mon pan qu'on marié. Et c'est-à-dire mon risque de mon parent, mon papa qui fait mes dépenses à la maison et tout mon bon besoin à part mon shopping. Mon papa qui tient son zakat, mon question est-ce qu'il m'a besoin de tirer mon zakat, est-ce qu'il m'a besoin de tirer zakat moi aussi de la part de nos frères, de nos soeurs Nusrin Boulaki. Non, ou même vous besoin de tirer au zakat. Parce qu'on a l'argent, ou propriétaire de l'argent. Du moment qu'il y a propriétaire de l'argent, ou même vous besoin de tirer zakat, s'il fin arrive ni sob et fin faire 12 mois calendrier lunaire. Question suivante. Salam alaikum, madame, sa famille dans Bida et dans Shirk. Quand nous causons l'islam, ben là, dire qu'ils ont besoin de faire katam, besoin de faire pire, etc. Est-ce qu'ils ont besoin de dire aux autres n'est pas bon? Attention, ça vient en discute. Comment faire pour deal avec ça? Si ou pas qu'on dîne, ou pas causer. Si ou pas la connaissance dîne, ou n'a pas causé. Ou capable de faire dawa d'une autre façon. Ou capable d'amener une causerie pour les autres guetter. Ou capable d'envoyer d'autres ban clip YouTube, ban explication, ça ou capable de faire. Mais seulement ou pas cause d'in, quand on peine à connaissance d'in. Donc ça, c'est le minimum. Ou pas qu'un droit de silence. Si ou pas connaît comment, si ou peut fréquenter d'autres, ou besoin fréquenter d'autres. Famille disant ça, besoin fréquenter. Pas casse relation. Mais seulement reste tranquille, non. Mais seulement ou pas causer quand on peine à connaissance. Comment ou besoin faire? Ou partage ban vidéo l'éducation d'in. Si les fins refusent pas accepter, dire ou pas partage dit ça, ou responsabilité infinie tombée. Au pays, aucun problème. Du moment qu'un jour, il dit, oh, ben, pas, voyez-moi ça, mon pas content, envoyez-moi ça, mon affaire là, au fini, descend aux responsabilités. Question suivante. Salam alaikum, une question.
Concernant problème dans couple, si elle a doute, si elle a doute le sur madame, monsieur là, grammaté tantôt mange madame là sur la vie avec bonne question. Qui madame là fin répondre lui, fini répondre lui. Fin dit lui qu'il jamais il fin gain relation avec un autre monsieur. Chaque des jours, monsieur là repose les mêmes questions. Basant madame là peut fatiguer moralement, il n'est plus capable, monsieur là humilié lui. Un côté pas capable de tenir. Madame là dit à lui, si tu en as doute, l'eau moi, alors mon fatigué, donne-moi talak. Monsieur là dit non, il n'est pas pour donner. Madame là peut finir moralement. Qui besoin faire, qui procédure pour ena pour madame là quitte sa monsieur là, de la part de nos frères Abdul Wahid Kodadin. Tout d'abord, besoin faire monsieur là raisonner. Quand on finit marié, on besoin pas relève le passé. Ou pas gain droit fouille dans le passé du monde. Une madame pas gain droit fouille dans le passé sur monsieur. Un monsieur pas gain droit fouille dans le passé sur madame. La vie mutuelle entre monsieur et madame lui commence à partir Nika. Un monsieur gain droit questionne sur madame à partir jour sur Nika et une madame gain droit questionne sur monsieur à partir jour sur Nika. Mais seulement, il ne faudrait pas les tourner vers l'obsession. Pour toutes les affaires, tout les retards, quand tu en allais, tu en sautes à côté de madame. Qui fait un mettre parfum, tu ne fais ça. Non, il ne faudrait pas faire l'obsession. Mais seulement, une madame gain droit. Si elle a quelque chose d'anormal, il gagne droit de demander, il gagne droit de poser question. Pareil, comme une madame, un monsieur, il gagne droit de poser question. Mais à partir de Nika. Bizet fait un monsieur là raisonner que le passé est infini, même si, monsieur, si madame là s'est fiancée ou bien s'est déjà mariée, alors passe pas problème monsieur là pour lui fouiller dans sa banque quelque chose qui pas concerne lui. Si monsieur là, il comprend, alhamdoulilah. S'il n'est pas comprend, alors il bizet est un psychiatre parce que ça lui vient un problème mental. Et là, dans ce cas-là, madame là a tout ce droit. S'il n'est pas capable de vivre, s'il est pour continuer à être harcelé de sa façon, là, il gagne droit réclame ce coup-là. Il gagne droit réclame ce coup-là. Mais nous dire pas à ce niveau-là, essayez de trouver un moyen, veut dire, faire une cause de Michel-là, faire lui comprendre que ça, c'est pas une bonne manière, ça. S'il peut assister, là, madame Lène a tout ce droit pour réclame ce coup-là, parce qu'il n'est pas capable de vivre une situation pareille. Question suivante. Salam alaikum, cher. Est-ce que, moi, vous connaissez, si un Djibouti finit frappé par, est-ce que, comment vous connaissez qu'un djibon est possédé pour la sorcellerie ou bien lisier? Pour comme ça, tout d'abord, au capable d'avoir l'idée par une attitude qui finit sans aide dans ce monde-là. Une fille a quelque chose d'anormal, elle est capable de faire quelque chose d'anormal, elle continue de la toilette longue temps, elle n'est pas contente, elle n'arrête de faire salat, ou bien elle réagit quand à un donné, elle réagit étrangement, bizarrement, etc. Ça, c'est quelque chose. Ou bien elle commence à dépérir. Ou bien les circonstances affaires, ils commencent à dégoûter les affaires. Ça, c'est un symptôme. Mais seulement, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de symptômes médicaux aussi qui semblables à la sorcellerie ou bien à l'isier. Dépression. Ils commencent à gagner dépression. Alors ça, ils semblables à la sorcellerie et l'isier. Ça veut dire que c'est un djimoun qui est malade. Tout d'abord, qu'il a besoin de faire, il a besoin d'être un médecin. Faire soin, il est un psychiatre, il est un psychologue. Si tout ça, là, tout le monde peut dire au bien, psychologue, là, il n'y a aucun problème. Au point d'un problème, la santé, là où il y a un djimoun qui est capable de faire ruqya, un djimoun qui est sincère, qui n'est pas pour dilapider ou ban l'argent, pour capable de lui, gagne droit pour l'argent. Attention, que nous devons mettre ça bien clair. Un djimoun gagne droit ou gagne droit de donner un djimoun un l'argent, mais seulement il n'est pas gagne droit faire ça avec un travail pour lui-même et il exploite djimoun. Mais il gagne droit ou gagne droit de donner un l'argent, il gagne droit de réclamer un l'argent pour les efforts qu'il peut faire. Il réclame un l'argent pour les efforts, pour se déranger, qu'on dérange là, oui, mais seulement dans une façon qui. Pas excessive, il y a un droit de donner. Mais seulement, là où il y a un djimoun qui est sincère, qui est capable de lire l'eau, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il vient lire un surah, trois ayats, dans trois, quatre rakats, troisième, quatrième rakat, ou bien juste surah al-Fatiha? Quand on peut faire salat faraz, alors dans deux premiers rakats, nous lions surah al-Fatiha avec un autre surah, et dans deux derniers rakats, nous pas lire. Mais seulement, nous gagnons droit de lire aussi. Pas aucun problème. En général, nous pas lire. En général, nous disons seulement Sourate al-Fatiha avec un autre sourate dans deux premiers rakats, dans deux derniers rakats, nous disons seulement Sourate al-Fatiha. Mais seulement si nous lisons dans deux derniers rakats aussi avec un autre sourate, un petit sourate, trois rakats, cinq rakats, dix rakats, puis aucun problème. Parce que ça aussi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait, comme a mentionné le hadith concernant Sourate Zohar. Alors, puis aucun problème. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est capable de lire le Coran en translittération anglais? La translittération, il n'est pas en anglais, ça. Translittération, c'est translittération. Traduction, pour gagner droit, il y a traduction, pour gagner l'idée approximative concernant ce qu'il y a dans le Coran. Mais ce n'est pas exact. Traduction, il n'est pas exact. Et jamais, il n'est pas capable de venir complémenter ça qu'il y a dans le Coran.
quand on cause translittération, veut dire a'oudhu billahi minash shaitani wajim ou ikrali abcd ou ikrali dans langage ban lettre latin, alors ban ulama j'ai pas gain droit translittération, pas gain droit parce que il y a beaucoup ban signification pour fausser par rapport à veut dire à prononciation. Alors si on a envie de lire le Coran, il est capable de lire le Coran dans un an, inshallah, s'il prend deux fois par semaine leçon, inshallah, dans un an il est capable de lire le Coran s'il fait des efforts par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.